Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. D'abord les titres. Des dénonciations et condamnations fusent de partout après les échauffourées enregistrées lors de la marche de l'opposition le samedi 20 mai à Kinshasa. Le premier des citoyens, le président de la République, a haussé les tons contre les violences policières en marge de sa visite aux victimes de cette manifestation. Les fichiers électoraux de la République démocratique du Congo fiables, voilà le résultat de l'audit externe mené par les experts nationaux et internationaux. Ils ont rendu public leur rapport ce lundi. Une tête d'érosion menace le quartier Mbala dans la commune de Selembao. Les habitants lancent un SOS. Voilà pour le titre. Bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a assisté les victimes des échauffourées lors de la marche de l'opposition samedi à Kinshasa. Parmi ces victimes figurent une vingtaine de policiers, une journaliste et un mineur sévèrement brutalisé par les forces de l'ordre. Le chef de l'État a visité en premier lieu le jeune Roger Massassou, dit junior, interné dans un centre hospitalier au quartier des Bonhommes à la suite de son interpellation musclée. Malgré sa délinquance juvénile, rien ne peut expliquer la violence disproportionnée exercée sur lui, a dit le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Bien avant, Roger Massassou, cet enfant tabassé lors de la marche de l'opposition, a reçu la visite du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Peter Kazadi s'est rassuré de l'état de santé du jeune garçon sur instruction du président de la République. Reportage. Sur les lits de l'hôpital ainsi allongé, le jeune garçon Roger Massassou. Quelques heures avant, il a été victime des violences policières samedi lors de la marche de l'opposition. Les images de son passage à tabac ont fait le tour des réseaux sociaux jusqu'à arriver assurément au smartphone du chef de l'État Félix Tshisekedi. Voilà qui a justifié la descente sur instruction du président de la République, du vice-premier ministre de l'Intérieur et de Sécurité à l'hôpital où est interné Roger Massassou. Peter Kazadi a obtenu des assurances du médecin traitant sur l'état de santé du jeune garçon. Le chef de l'État, ayant vu aussi ces images touchées dans son amour des parents, m'a demandé de chercher où que cet enfant se trouve pour que je le voie. Je l'ai vu, il est vivant, bien que souffrant, puisque à la suite des coups de bâton qui lui ont été administrés par des agents de la police, et je suis content qu'il soit là, qu'il soit en vie. Et le médecin m'a dit que le pronostic vital n'est pas entamé. Vice-premier ministre de l'Intérieur a dénoncé l'association des enfants dans des manifestations politiques avant d'affirmer que les policiers auteurs de bavures seront traduits en justice. Je condamne tous les policiers qui ont commis des actes d'atrocité sur cet enfant. Quel que soit le mal qu'il avait fait, il n'a pas mérité les traitements qui lui ont été infligés. La prise en charge sanitaire de Roger sera assurée par les gouvernements congolais. Le VPM Kazadi Kankonde a promis également de prendre en charge les études du jeune garçon. Les opposants ont saisi le gouverneur de la ville de Kinshasa pour informer de leur sit-in du 25 mai prochain à la Commission électorale nationale indépendante. Les partis politiques de l'opposition sollicitent l'encadrement par la police de leur prochaine manifestation. Les quatre leaders de l'opposition entendent traduire en justice le gouverneur Gentili Ngobila suite à la répression musclée de la marche organisée samedi à Kinshasa. Moïse Katumbi, Délice Sanga, Martin Fayulu et Augustin Matata Ponyo ont ainsi donné la voix en marge de leur visite à l'hôpital où sont internées les victimes de la marche. Comme à l'heure de la marche, les leaders de l'opposition, Augustin Matata, Délice Sanga, Martin Fayulu et Moïse Katumbi, tous quatre, ont pris la destination d'un hôpital de la ville de Kinshasa où sont internés les blessés de leur manifestation du samedi 20 mai. Chambre par chambre, ils ont témoigné de leur soutien aux victimes. Et malheureusement, on a pris même des jeunes, même de personnes qui ne sont pas encore majeures, qui étaient en train de rentrer soit de l'école, soit d'aller au marché. Toutes ces personnes ont été molestées, violentées, et il y en a même qui ont reçu des balles. Et donc, nous avons cette responsabilité ensemble, comme vous nous voyez ici,
de venir compatir avec les citoyens qui ont en fait manifesté. Face à la répression qui a causé autant de dégâts, les opposants entendent traduire en justice les autorités du pays. Nous allons rester en justice pour rechercher sa responsabilité. Ce qu'il faut savoir, M. Gentil Ngobila, à l'occasion de cette réunion d'harmonisation, avait déjà planifié et avait parlé de ces machettes qui vont circuler les eaux de la marche. Et comme on voit que les eaux de la marche, les machettes et les armes blanches ont circulé, on peut considérer en effet que sa responsabilité à l'égard de l'encadrement de la marche. Malgré les incidents, l'opposition ne songe pas décolérer. Les quatre leaders ont annoncé un sit-in le jeudi 25 mai devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante. Une autre manifestation prévue le 25 mai, c'est celle de la dynamique progressiste révolutionnaire DIPRO. Cette plateforme que dirige Maître Constant Mutamba annonce une marche pour dire non à la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante et au glissement du calendrier électoral en cours d'exécution. À l'occasion, DIPRO déposera un mémorandum de soutien au processus électoral au siège de la CINI. Toujours en rapport avec la marche, deux militants du mouvement lumumbiste progressiste décédés, plus de 20 blessés graves, mais aussi des motos arrachées par les militants identifiés comme de l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est les bilans provisoires dressés par Franck Diongo, président de ces partis de l'opposition. Devant la presse, le président du MLP fustige l'utilisation abusive de la force par les éléments de la police. Il exige des enquêtes internationales et nationales pour que les responsabilités soient établies. On l'écoute. 24 heures après la marche de l'opposition, l'heure est au bilan dans les états-majors des partis politiques de l'opposition. En conférence de presse dimanche au siège de son parti politique, Franck Diongo, image à l'appui, parle des morts et plusieurs blessés graves dont des combattants de son parti, le MLP. Vous avez vu des policiers avec des machettes. Et de cela découle de blessés graves, de blessés légers et des morts non évoquées. Et de ça découle également la présence remarquée d'une milice appelée Brigade spéciale de l'UDPS, dénommée Force du progrès. Franck Diongo énonce l'officialisation d'une milice qui soutient le régime Tshisekedi et qui a commis des abus lors de la marche. Et le pouvoir ne peut pas agir avec une milice d'un parti au pouvoir. Le service de l'État, l'armée, la police agissent avec une milice du parti au pouvoir. Nous sommes dans quel pays là? Dans quel État? En tout cas, nous sollicitons, comme démocrates, la dissolution de cette milice et le désarmement de cette milice, qui redevient des membres ordinaires. Parce que cette situation va rendre la ville et le pays ingouvernables. Le numéro 1 du mouvement lumumbiste progressiste a appelé à la mise en place d'une enquête internationale et nationale pour établir les responsabilités. L'opposition avait appelé à la marche pour dire non à la vie chère et à un processus électoral chaotique. De leur côté, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo écœurés de constater la collaboration entre la police et les personnes avec des armes blanches lors de la marche de l'opposition. C'est Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la CINCO, qui l'a déclaré ce lundi dans la lecture du communiqué des évêques catholiques sur les manifestations du week-end dernier. Images et commentaires. Pour les différentes marches convoquées samedi, tant par les partis de l'opposition et ceux du pouvoir, la Conférence épiscopale nationale du Congo avait déployé ses moniteurs dans différents itinéraires pour un suivi.
À l'heure de rendre compte, la CENCO, à travers son secrétaire général, dresse un bilan déplorable. La CENCO est écœurée de constater que beaucoup de manifestants ont marché avec les armes blanches. Pire encore, certains éléments de la police nationale étaient porteurs des mêmes outils de violence qu'ils échangeaient visiblement avec des individus à tenue civile, dont certains portaient les dorsales BSU ou Brigade spéciale de l'UDPS, Force de progrès. Les évêques catholiques condamnent ces bavures policières qui attestent une régression de la démocratie en République démocratique du Congo. Il est vrai que nous avons observé au début, on avait félicité, je me souviens bien de ces messages des évêques, félicité le fait que les manifestations devenaient de plus en plus pacifiques. Je l'ai dit, et là c'est une régression dangereuse, c'est une régression très grave. Parce que dans le passé, on n'a jamais vu une telle collaboration de la police avec une milice publiquement affichée. La CENCO appelle la population dans son ensemble à ne pas se laisser intimider, mais à sanctionner tous les incompétents si rien n'est fait pour garantir ses droits fondamentaux. Je le disais dans les titres, le fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante déclaré fiable après une mission d'audit externe. Affirmation des experts nationaux et internationaux chargés de mener l'audit qui se sont exprimés ce lundi devant la presse. Selon leur rapport, plus de 3 millions de Congolais, dont des mineurs, ont été radiés du fichier électoral. Reportage. Devant le média, la plaignante de la CENI et autres invités, l'équipe des experts nationaux et internationaux a indiqué que le travail a été réalisé dans le respect des termes de référence. D'après ces rapports, plus de 3 millions de Congolais sont élagués du fichier électoral, soit pour mineurs ou encore photos des photos. L'équipe d'experts a jugé fiable les fichiers électoraux. De son côté, le président de la CENI, Denis Kadima, s'est réjoui de cette étape franchie. Il persiste et signe que les élections auront lieu dans les délais. La prochaine étape, c'est la publication des statistiques sur l'enrôlement, ça sera aujourd'hui. Et puis le dépôt de l'avant-projet sur la répartition des sièges, ça aussi, ça sera fait aujourd'hui. Et évidemment, à partir de cet instant, nous avons tourné la page de l'enrôlement des électeurs et nous passons à la réception et au traitement des candidatures dans les semaines qui viennent. Notez que ces experts qui ont été sélectionnés sont au nombre de 5, dont 3 Congolais, un Sud-Africain et une Malawite. À l'Assemblée provinciale du Sankuru, un bureau d'âge installé vendredi afin de statuer sur les pétitions de déchéance visant le président et les vice-présidents de cet organe délibérant. Le bureau d'âge déjà dirigé par Bernard Osango, assisté de deux benjamins, José Dambo et Esaïe Lukumba. Dans leur démarche, les élus pétitionnaires reprochent le bureau de l'Assemblée provinciale du Sankuru de faire obstacle au développement de la province et de se substituer à la plénière. Des allégations rejetées en bloc par Benoît Olamba, président de cet organe délibérant. On l'écoute. Je ne reconnais pas avoir retardé le développement du Sankuru à quoi que ce soit. Il y a une crise qui est en train de naître et cette crise-là est due à la position du bureau de l'Assemblée provinciale face à quelques préoccupations de la population du Sankuru. Premièrement, il s'agit du dossier de la gestion de la réserve naturelle du Sankuru. Le bureau a demandé au gouverneur de suspendre les travaux de BCI jusqu'à ce que BCI vienne expliquer devant la représentation provinciale le contrat qu'elle a signé avec ICCN. Et deuxième, le gouverneur de province qui bénéficie des rétrocessions de la part du gouvernement central voulait retenir 60% des entités territoriales décentralisées du Sankuru. Le troisième, nous avons été saisis en tant qu'Assemblée que les anciens ministres qui prestaient sous Mukumadi et le personnel politique ainsi que les personnels d'appointe avaient enregistré des grands retards de paiement de leurs émoluments pour les membres du gouvernement
et salaires pour le personnel. Mais le gouvernement central, ils ont payé même 4 mois des arriérés. Et cet argent-là, le gouverneur de Sankourou a perçu et n'a rien payé. Et dans cette histoire, le gouverneur dit à certains de nos collègues que moi je bloque parce que si les contrats BCA passaient, ils auraient eu des rétrocommissions. Et que si 60% des ETD étaient retenus au niveau de la province, ils auraient eu de quoi faire leur campagne électorale. En mission officielle en Boujimaï, dans la province du Kasaï oriental, le directeur général AI de la Société nationale d'électricité, Teddy Luamba, reçu par le gouverneur Patrick Mathias Kabeya. Les deux personnalités ont échangé sur la problématique de transport du courant électrique en Boujimaï. Teddy Luamba a promis son implication pour que le courant soit ramené dans le chef-lieu du Kasaï oriental. Reportage. Le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeya Matiabidi, reçoit en sa résidence le directeur général ad intérim de la Société nationale d'électricité, Teddy Luamba. Au cœur de leurs échanges, la problématique du transport du courant électrique de la centrale de Tobitobidi en Boujimaï. À l'issue des échanges, le directeur général AI affirme qu'il est en mission en Boujimaï pour palper du doigt l'évolution de travaux relatifs au transport du courant. Il a rassuré que d'ici un trimestre, les travaux seront très avancés. De manière concrète, c'est que nous sommes en train de tirer une ligne qui va amener 3 MW supplémentaires sous peu, au bout d'un trimestre, ici en Boujimaï. Et nous allons augmenter aussi une centrale photovoltaïque d'un maximum de 2 MW. Ça veut dire que la puissance réelle en termes quantitatifs, c'est cette unité qui viendra. Au-delà de 3 MW venant de la centrale de Tobitobidi, la SNEL va également construire une centrale photovoltaïque qui produira à son tour 2 MW. Parler du fait que nous devons faire le suivi de la ligne Tiboué jusqu'à Mboujimaï avec la puissance qui est à Tobitobidi et aussi annoncer que nous allons installer très bientôt une centrale photovoltaïque à Kabeya Kamanga. Ceci, c'est pour accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut à ce que l'on puisse accroître le taux de desserte en électricité pour nos populations. Il faut noter que le directeur général AI a eu également le temps d'inspecter la centrale elle-même et l'évolution de travaux de construction de la sous-station à Tshiboué. Une tête d'érosion menace plusieurs maisons d'habitation du quartier Mbala. Nous sommes dans la commune de Selimbao, dans la ville-province de Kinshasa. Très inquiets de face à cette situation, les habitants de quartiers situés près de la cité Badiading appellent les autorités urbaines à trouver des solutions urgentes pour éviter les pires. Reportage. Vieille de plus de 10 ans, cette érosion qui ne cesse de s'accroître au quartier Mbala dans la commune de Selimbao a déjà emporté plusieurs maisons. Les habitants de certaines maisons qui résistent encore craignent les pires. Na mama ole hose koma e buki banda kwe bele koleka bako mapang bako mi ba locataire do na mama o to na pass makas koleka do traka na mboka vraiment poso to ofanda na bamboka boye hein erosion e buki banda to kende wapi to suka wapi bon erosion pene umeli hein e umeli e banda ki penza na se na camping ezo mata malembe malembe na ndenge yo komea awana na zapi. Et bande cadon boulou mora ya mukie nde mai nde zo kitaka kitaka bongo ay ti pende la lelo te okoma na erosion ele banda ko belé ba te belé ba kimi. C'est donc un SOS qui lance les hommes et les femmes du quartier Mbala. Bon awa adjoint ya bukumese ya commune ya Selimba onde alika ayaka kotala akenda yeka pe ya ne oyo ayaki atali akenda bato OVD ba yende siko mwa oyo bazo sala mais ezo tenir te babandaki d'abord na mado ambalikolo bakititi boye kaka ko planir nzela siko bazo sala awa ça fait 2 jours yango to moni tracteur ezo sala awa soki esali ekati esali ekati mais bazo ba bien que mbula ezo ya kaka mbula ezo ya nanu mais soki bazo kipe yango te libulu o ezo na risque pour epesi mitu na ba venu tie matibo ezo pesa mitu na ba venu
Si on est un prince, je ne sais pas ce qui fait ça. Il y a des interventions pour les routes matadi. Il y a des interventions pour éviter. Quand on boka sali sabiso sungabiso taka peuple na ye. Papa na loba ke peuple d'abord a sungabiso vraiment ko tout pour souffrir ma casse. Ba konti to singa bango ba ya o aider biso. Place web misale zo salama. Ba bimisa pe na mbongo pour ke misale salama parce que so bato bazo sala baza motivé o sala ba e sala ke misale salama pour bato belé ba ki miso bo filmer bo mona. Banda ko belé tikali vide. À présent interpellé aux autorités urbaines de trouver une solution. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.